notre lit. Et après, on devait aller faire une épreuve pour le premier 9 express. Je vous donne une énigme, une enveloppe, vous ouvrez. Donc dans la première enveloppe, vous aurez toujours la carte du jeu et une énigme. L'énigme, pour la résoudre, vous venez me voir. C'était l'endroit, je vous dis oui ou non. L'ouest, c'est à droite ou à gauche? L'ouest, c'est à gauche. Deux jeunes ont pu participer à ce séjour, âgés de 10 à 16 ans. Donc ils ont pu faire des activités autour du nautisme, donc char à voile, bouée tractée, kayak et paddle, la découverte du milieu marin avec la pêche à pied, et également la découverte de Pléneuve-Val-André à travers un grand jeu fil rouge tout au long de la semaine, Pléneuve Express. Comme tout à l'heure, on a terminé 9e. Là, on se dit que si on termine premier, et qu'on n'est pas qualifié pour les 4 duels finales et peut-être une élimination, on est. On fait une première manche où chacun lance. La dernière équipe, on l'élimine. Après, il reste 4 équipes. Dans la descente là-bas, vous avez vu, il y a une énorme cale, bien pentue. Il y a une fissure au milieu de la cale. La roue avant, on la met sur la fissure. Celui qui est derrière retient fermement avec son corps et ses mains le char pour pas qu'il descende et qu'il écrase tout le monde. Ça va pour tout le monde? Et après, première poulie. Je pars du mât. Hop, première poulie. Et je passe dans la poulie. Mais là, le vent, il a l'air d'être pas mal. Donc, je pense que ça va être mieux qu'il y a 2 ans. Parce qu'il y a le lieu où aller, plus une mission. Si vous ne me validez pas ça, vous ne pouvez pas partir. Je vous donne tous une enveloppe. Et au top, vous avez le droit d'ouvrir.
au prochain lieu, tu dois aller au... Là, je sais pas. Bah, en fait, je crois avoir trouvé tous les mots, mais il faut tourner la phrase et bah, j'arrive pas trop. Mais il en manque encore un. Garde le bon. Attends, je suis perdu. Un peu en retard parce qu'il y a 4 équipes qui sont parties. À voir, c'est Flag à gagner. Qui est le premier éliminé participera pas à la prochaine épreuve. Et une pince, pince tranchante qu'est la broyeuse. Avec ça, on peut faire du flan. Le gélifiant pour faire les flambilles ou les entremets au chocolat, ça peut se faire avec cette algue-là. Bah, ici, là, on a un poisson. On a trouvé un poisson. On a plein de crevettes, 4 bigorneaux et des algues. Les objectifs d'une séance de pêche à pied comme ça, ils sont simples. Hein, c'est les sensibiliser à un écosystème qu'il faut préserver. Ce siècle sera maritime, donc il est important comment les éduquer à la mer, au métier qu'il peut y avoir autour de ce patrimoine, comment de cet écosystème. Donc à travers une séance de pêche à pied, on fait un peu d'identification, de classification, un peu de phénomène des marées, parce que comment ben, on pêche qu'à marée basse, donc c'est important de leur faire comprendre ça et que c'est pas présent partout sur le globe. Là, c'est plutôt les gestes de préservation d'un environnement particulier, fragile. La zone de balancement des marées, comment il est important de la préserver et quand on voit comment ça se passe quand il y a des afflux de touristes, notamment pendant la période estivale ou en ce moment, on voit bien qu'il est important de les éduquer à tout ça. Alors, même si c'est des petits bretons, on voit bien qu'ils ne connaissent pas. Go on.
séjour donc au moins de 5 jours et au moins 4 nuits avec une forte plus-value éducative autour du projet pédagogique qui doit être aussi axé sur le renforcement des apprentissages. En l'occurrence, sur ce séjour que nous avons financé ici sur le territoire de Couesnon en marge de Bretagne, l'action était autour de la découverte du secteur nautique et de découverte de l'environnement. Donc les partenaires financiers de ce séjour sont entre autres la CAF, la MSA marge de Bretagne, la direction départementale de la cohésion sociale et des protections de la population, Couesnon marge de Bretagne, bien entendu, y abonde au même titre que les parents des enfants participants. La carte de l'épreuve, vous allez avoir trois énigmes sur le papier qui vont vous indiquer trois lieux. Ces trois lieux vont vous emmener vers Olivier, Émilie, Maëlouen. À chaque fois que vous allez aller les voir, ils vont vous remettre quelque chose que vous allez devoir me ramener. Attention, vous êtes prêts? Allez, c'est parti! C'est 5, 26, 14, 16, 4, 14, 25, 26. Ça sert à rien de lire, il faut ça, en fait, mais je comprends rien. Ça, c'est facile. Bah, moi, je dis que ça, en fait, c'est la lettre d'avant, mais après, je sais pas, faut c'est voir. Il y a des équipes, elles sont en train de partir et non. Nous, on n'a toujours rien fait. On essaie de faire tout ce qu'on peut pour essayer de trouver, mais... À chaque fois, on essaie quelque chose, mais ça marche pas. Pourquoi il y a de la vie? Y, Z, A, B, C... C'est un truc comme ça? Oui, c'est ça. Oh putain, j'ai trouvé le truc! Ah, une centaine de mètres. Oh, merci beaucoup. Et le magasin Marianne. C'est pareil, tu continues tout droit. Merci. Juste après le rond-point. Merci, monsieur. De rien. Vous résolvez l'énigme. Et ensuite, avant de partir, vous allez partir avec un handicap. Deux bidons d'eau, deux pneus, deux packs d'eau, deux chaises, deux sacs de charbon, des glacières, les poufs, une boîte de 4 œufs. Vous cassez un œuf, vous êtes forcément dernier.
comme les paquets de farine, on les mettait dans une glacière, nous on portait une glacière, on l'a donné à Julia. Clément il portait une bouteille d'eau et Raphaël portait la deuxième. Moi ça va, j'ai pas porté grand chose. Mais Sinon après les énigmes c'était facile à résoudre, mais les deux gros packs d'eau là c'était difficile. Grosse erreur. Là, pendant toute la semaine, on n'a pas nos téléphones, donc ça nous permet d'apprendre à se connaître tous ensemble. C'est beaucoup mieux parce que du coup, on partage plus de choses. Pour préparer le séjour, on a eu plusieurs actions. Donc, on a pu réaliser le beach bar pendant les vacances. Ce sont des jeunes de Coglado qui tiennent un bar où on vend des boissons ou des friandises et que les jeunes achètent. Et ça nous aide à financer les séjours. Il y a également eu le ramassage des pommes. Donc, c'est l'entreprise Abera qui a mis à disposition son verger pour qu'on puisse cueillir des pommes et en faire du jus de pomme. Donc on a récolté une tonne de pommes, soit 660 litres de jus de pomme. Et ensuite les jeunes les vendent et cela finance également les séjours. Même trajet, sauf si vous faites des choix différents. Mais tout le monde a le même parcours. On qualifiera les deux équipes qui ont le moins de temps. Prêt, attention, c'est parti. On ne pensait pas du tout gagner parce que la première fois on était beaucoup choisis pour l'éliminatoire. Ah, on ne pensait pas gagner et là on a tout donné notre meilleur possible et on est super contentes, quoi. Sortir du cadre familial, du cadre scolaire, ça permet voilà, de partir en vacances avec des copains, même rencontrer d'autres jeunes avec qui d'habitude on des jeunes qu'on ne côtoie pas. Et nous, sur l'année, sur l'espace jeune, c'est plutôt des jeunes qui viennent sur des activités, sur un programme. Et là, c'est l'inverse. C'est justement, c'est des jeunes qui créent leur séjour, qui viennent ici, à Pléneuf, vivre quelque chose de différent de d'habitude.